Shalom, peuple de Dieu. Na pamboli lisusu nzambe na biso. Je bénis encore notre Dieu. Pour na opportunité susu apesi biso kokutana na ngonga oyo. Pour cette opportunité que nous avons donné pour Dieu en ce moment. Na lingi to partager pensée au susu nzamba tenga à cœur. J'aimerais qu'on partage encore cette pensée que Dieu m'a mis à cœur. Et longo na biso ensemble. Tous à la même vraiment pensée. Que nous ayons la même pensée. Tant que tous à l'iba aigle. Tant que nous sommes des aigles. La lingi penza awa tovanda likolo. J'aimerais qu'ici nous puissions vraiment rester en vie. Nzambe vraiment à son gabiso. Que Dieu nous aide. Je sais que beaucoup de gens connaissent ce verset. La lingi tout partager d'abisso ensemble cette verset. J'aimerais qu'on puisse partager tous ensemble ce verset. Il y a histoire, il y a Samuel. De l'histoire de Samuel. Tout angina 1 Samuel. Nous allons lire dans 1 Samuel. Chapitre Nango 3. Chapitre 3. Na verset Nango 3 à 10. Du verset 3 au verset 10. La Bible dit ceci. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie lui répondit, je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été relevée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et dit à Samuel, va te coucher, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle-moi, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel. Samuel, Samuel, Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. La parole du Seigneur. Amen. Mes bien-aimés. Histoire Oyo Bisonio Stoué Bien. Cette histoire, nous tous nous la reconnaissons. Dans ma chanson, la biseau religieuse. Dans nos chansons religieuses. Baye, baye, mayango. On en a chanté plusieurs fois. Partout, dans les canabas. C'est là, dans les canabas église. Partout, nous marchons dans les églises. To yoka yoka yango. On entend cette chanson, on entend parler de ça. Ngape na yoka yango lokola bino. Y compris moi, j'ai aussi entendu comme vous. Mais Nzamba sali biso grâce. Mais Dieu nous a fait grâce. Les lots me kako comprendre na mona façon sous. Aujourd'hui nous puissions le comprendre d'une autre façon. Na autorité mon sous. On prend une autre autorité. Tant qu'on a zala qui commédité sur cette parole. Lorsque je suis en train de méditer sur cette parole. Un jour, tout seul là qui n'a dégo, frère Bayama. On a parlé avec le frère Papi Bayama. Tout seul sur la carte partagé. On est en train de causer, on partageait. Abimis là qui n'a pas pensé au yo. Il m'a fait sortir cette pensée. N'est-ce pas un des congas pe Michele qui n'a pas médité encore. J'ai dit ah, ça fait beaucoup de jours aussi que je suis en train de méditer là-dessus. Mais quand on a entendu ça, penser au yo 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 car.
Essaye de me démontrer en fait la pensée dont toi t'as entendu. N'aie pas ce qui n'a pensé en quelque la pareil. Pour comparer avec ma pensée pour voir si c'est pareil. Ah bien non, bon, il y a un pasteur dans l'Anda. Non, imaginons c'est un pasteur que j'ai suivi jadis. Bon, il y a le banni dans la lettre. Bon, lui, il avait juste lu la lettre. Le pasteur a expliqué caca. Le pasteur avait expliqué. Acte où il y a Élie, il y a qu'on n'est pas Élisée. Pardon, il y a Samuel, qu'on n'est pas Élie. L'axe de Samuel d'aller vers Élie. Pasteur, on a interprété en haut. Ce pasteur a interprété. La vie chrétienne. La vie chrétienne. Donc ils ont cinq ans à fidèle. Ça nous demande à nous les fidèles. Il faut tous à la ramener les hommes à père spirituel. Il faut que nous puissions avoir des pères spirituels. Parce que père spirituel là yo. Parce que ton père spirituel. Ça n'a pas comme souci yo comprendre d'été. Il y a certaines choses que toi tu vas pas comprendre. Mais père spirituel là aux alas n'a pas n'a pas aidé yo. Mais ton père spirituel sera là pour t'aider. Donc par là Samuel. Par là Samuel. Élie a cela qui père spirituel là. Élie était son père spirituel. Et alors, Samuel, voilà pourquoi Samuel. Azalé pour comprendre, tiens, qui pas Élie, Élie de Moutou, mais que ça qui est une adaptation que nous avons Il comprenait pas, voilà pourquoi il est parti vers Élie pour Élie lui a donné l'orientation pour dire que Dieu t'a appelé. Et c'est important qu'on ait un père spirituel. C'est important d'avoir un père spirituel. Ok, mais son évangile au tout, le bas, non. Or, nous, dans cet évangile, on dit non. Nous avons un père spirituel. Une personne ne peut pas avoir un père spirituel. La comprenait qui nous allait une pensée mon côté. J'avais compris que nous n'avons pas la même pensée. Parce que un père spirituel. Parce qu'un père spirituel. Le colasar mon tout. Vu qu'il est humain. Voulu pas à couper son père. Voulant pas, il va te faire tomber dans des erreurs. Parce que ça monte. Parce que c'est un humain. Mais or que tu es le véritable père spirituel. Or nous savons que le véritable père spirituel. C'est le Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui, la paix s'accalore et attention. C'est lui qui donne le rendez-vous. Oui, il échoue à Kati. C'est lui qui échoue. Oui, à Salakanere. Il ne fait pas d'erreur. Tout le monde a une histoire. Nous voyons cette histoire. Il y a Samuel. De Samuel. Tu as une histoire, Samuel, il s'est retrouvé qui n'a. La présence ensemble, mais donc tu es dans le temple. L'histoire de Samuel, lorsqu'il était dans la présence de Dieu, on est allé le déposer dans le temple, auprès de lui. Et ça là qui fait maman naïe Anne à Salaki. C'était le vœu que sa maman Anne avait fait. Un jour, il y a l'autre. Un jour, Babi Samuel à Lalaki. La Bible dit Samuel s'endormit. Zamba bengi Samuel. Dieu appelle Samuel. Samuel a dit mi. Samuel accepte. Mais Samuel, quand a dit mi, abimi n'accueille pas à Élie. Mais Samuel est sorti pour aller vers Élie. Ayebi si Élie. Il dit à Élie. Mais voici. Mais voici. Parce que je veux bien gagner. Parce que tu m'as appelé. Élie a dit non. Nga na bengi yo tezonga kende kola la na. Élie dit non, moi je t'ai pas appelé. Retourne va te coucher. Pour la deuxième fois, Bible est à Dichibiso. Pour la deuxième fois, la Bible nous montre. Zamba bengi susu. Dieu appelle encore. Samuel. Samuel. Samuel a dit mi. Samuel accepte. Mais Abimi a quelqu'un a toujours et pas il y a Élie. Il fait la même chose, il va encore vers Élie. Il a l'obité à Bengiote. Et il dit non, moi je ne t'ai pas appelé. Retourne, va te coucher. Pour la troisième fois, Zamba Bengi. Pour la troisième fois, encore Dieu l'appela. Samuel a dit mais. Samuel accepte. Abimi a qu'est-ce que c'est pas Yaeli. Il sort et il va encore vers Eli. T'as pas commis pas Eli. Lorsqu'il arrive chez Eli. Aïe, mais c'est Eli. Il dit à Eli. Eli a l'obité à Bengiote. Eli dit moi je ne t'ai pas appelé. Mais Eli est après qu'on saisit. C'est là que Eli va comprendre. Que tu es. Que non. C'est Dieu qui est en train d'appeler cet enfant. Il Samuel. Il dit à Samuel. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Soko yoki mungongo wana. Si t'entends cette voix. Loba Seigneur. Dis Seigneur. Me voici. Me voici. Parle. Parle. Ton serviteur écoute. Ton serviteur écoute. Totangi. Nous allons lire. Na Job 33. Dans Job 33. Job chapitre 33, verset 14 à 15. Job 33. 14 à 15. Disons, Job 33, 14 à. Voilà, 14. À 15. À 15. Ok. La Bible dit Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes,
Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. La parole du Seigneur. Amen. Awa Job bazotali sabiso. Ici Job nous demande. Que nzamba lobaka na balolenge bele. Que Dieu parle de plusieurs manières. Nanzela ba songe. Par des songes. Nanzela ba vision. Par des visions. Mais biso net ozala katantif te. Mais c'est nous qui ne sommes pas attentifs. Tolingi to yeba. Nous voulons savoir. Tanzambe Job azolo bayango. Lorsque Job le dit. Que mutune azalaka attentif te tanzamba zobega azolo ba. Je suis l'homme qui n'est pas attentif à ce que Dieu appelle. Nanzela ba songe ben nanzela ba vision. Par des songes et des visions. Or que tu dois comprendre les photos yeba mutwangwe azalaka nani. Or nous devons comprendre qui cette personne. Oh yo de azalaka attentif te tanzamba zolo ba. Il n'est pas attentif lorsque Dieu. Tanzamba zo se révélé na ye. Lorsque Dieu se révèle. Nanzela ya songe. Par des songes. Nanzela ya ba révélation. Il y a rêve, pardon. Par des rêves. Ezalaka nani. C'est comment? C'est que Zana Batu. Donc il y a les gens. Où est Zana Moutou? Où il y a une personne. Oyo, à Koka Kozala Tantif, Teta, on Zamba Loba, Kananzela Bassange. Il n'est pas attentif lorsque tu parles par des songes. Nanzela Vision. Par des visions. Donc c'est que Zapena Moutou. Donc il y a aussi une personne. Oyo, à Kopena Kanzam, Betanga Loba, Kana Songe. Tu comprends tu lorsque tu parles. Tanga Loba, Kana Vision. Lorsque tu parles par des visions. N'a évité ce que tu comprends, je ne sais pas si on comprend. Amen. Et ça n'a pas tout moussoussou. Il y a certaines personnes. Bible a Job azotali sabiso. Si Job nous montre. Et ça n'a pas tout biso net aux attentifs. Tête en zamba zolo belabiso. Nous qui ne sommes pas attentifs lorsque Dieu nous parle. Mais donne dit ma c'est que ça n'a deux catégories à battre. Donc nous croyons qu'il y a deux catégories de personnes. Et ça n'a pas tout moussou. Tant en zamba l'obaka. Il y a certaines personnes lorsque Dieu parle. Bah, comprenez. Que ça l'engage en Zambé. Ils ne comprennent pas que c'est le langage de Dieu. Mais ça n'a pas tout moussoussou. Mais il y a d'autres personnes. Quand vous Zamba l'obaka, lorsque Dieu parle, bah comprenez que ça ne Zamba sur l'oba. Ils comprennent que c'est Dieu qui parle. Amen. Yango tomoni Samuel awa. Tango nzamba zo benga ye. Yazo kende vers Eli. Lui part vers Eli. Yazo ye bate ke nzambe muta o benga ye. C'est pas que c'est Dieu qui l'appelle. Ba bengi ye pour la première fois. On a appelé pour la première fois. A comprendre que c'est Jean Zambé. Il n'a pas compris que c'était Dieu. A ke pa Eli. Il est parti chez Eli. Ba bengi ye pour la deuxième fois. A comprendre que karaté. Il a toujours. A ke pa Eli. Il est parti vers Eli. Pour la troisième fois. A comprendre que karaté. A ke pa Eli. Il est parti vers Eli. To comprendre cette personne là. Comprenons cette personne. Ah ouais, nashi ba aigle bazo comprendre. Amen. Na lingi penza, na zala penza, na facilité biso. Et zala ko la biso nyo son eza boto sa l'exercice. Bon, ici je vois que les aigles ont déjà compris quelque chose. Donc on puisse m'en faciliter la tâche à tout le monde de comprendre. Que la manière dont je vais parler. Tu auras déjà et là pour comprendre. Que chacun parmi vous puisse déjà prendre les langues pour partir. La ligne penana fongo la ba pensée na biso. Je me laisse ouvrir mon pensée. Que mutunio so vraiment à côté ta penana na penso et zakati nzamba te katina. Tout le monde puisse vraiment entrer dans la pensée que Dieu a mis au monde. Na si marche on a meki ko pesa muke. Je pense que la marche dont j'essaie de marcher. Moi mémoire ya biso ezo fongo ma biso. Notre mémoire s'ouvre petit à petit. Trois fois nzamba bengi Samuel. Trois fois Dieu a appelé Samuel. Mais Samuel a compris de que ça Nzambe. Mais Samuel n'a pas compris que c'était. Mais Samuel a donc compris de que ça Eli. Mais Samuel comprend que c'était Eli. Bien aimé. Bien aimé. Vous êtes Nzambe. Vous savez Dieu. Aza vraiment va bien aka. Aza ben un grand metteur donc metteur en scène je crois bien. Donc c'est un grand metteur en scène. Nzamba yebo donc nzamba tanga sala a sala a sala a film na ye. Donc lorsque Dieu prépare il organise son film. Donc yemo ko ndenga zaboye lui-même ayeba ko créer ndenga zaboye makambu nyonso. Il sait créer toutes choses. Ayebi ko placer mutu na mutu ne sika na ye. Il sait placer chacun à sa place. Pour na yeba ko jouer rôle. Pour jouer le rôle d'un rôle. Pour te filmer ça la malade. Pour que ce film soit bon. Or que, or, toi na ba chantre. Nous savons que parmi les chantres, frère Gloire est un musicien, yebi. Le frère Gloire est un chantre, il sait. Biso openeza bo toi yebi. Nous autres aussi.
Et ça n'a pas chanté au Yobaja, pendant la qualité, pendant la musicien. Il y a des chants qui ont des qualités de musiciens. Au moins, on a aucun côté studio. Vous allez voir, je parle dans un studio. À quel côté studio? Je parle dans un studio. À quel sale album parfois, même s'il y a deux ou trois ou quatre chansons. Il va faire un album de deux ou trois ou quatre chansons. Mais dans quatre studios. Mais dans le studio. À côté Yemoko, il entre tout seul. À quelque Yemba, il part chanter. Mais à quelque travailler trois fois Yemoko. Il part travailler trois fois lui tout seul. Voix qui a Moko Sali, première voix. Il fait la première voix. Moko Sali, deuxième voix. Il fait lui-même la deuxième voix. Mais ça, la ténor. Et il fait aussi le ténor. Mais une seule personne. Mais une seule personne. Mais a travaillé trois voix. Il a travaillé trois voix. Na Katia studio. Dans le studio. À Saki Yemoko. Il était seul. Mais tant l'album est bima. Lorsque l'album sort. Bateau, bah, yémite que. Yazala qui est studio pour non. Les gens qui ne savent pas qu'il était dans le studio. Oh, bah, participe pas quitté. Si Kayasala qui va, Tcha qui va voir. Je n'avais pas participé là où j'ai enregistré. Mais quand on a eu la chanson, alors que trois personnes ne m'ont pas eu. On a vu que trois personnes chantent. Parce qu'il y a eu la première voix. Pas si longtemps la voix. Ah, il y a eu la deuxième voix. Ah, il y a eu la deuxième voix. Il entend sur le ténor. Là, où tout le temps, il y a eu la. Là, on s'y appelle. Ce qui était passé à la enregistrement. On a eu trois personnes qui ont eu la voix. Il y a trois personnes qui ont chanté. Mais ils ont eu la voix. A joué un rôle. A joué sur rôle. Mais tu sais ce que tu comprends. Je ne sais pas si on s'en prend. Nzambe Nabiso. Ici notre Dieu. A joué Kabarol Union sur Yemoko. Il joue tous les rôles tout seul. Awa quand on jouait tant que papa. Ici il joue. Awa quand on jouait fils. Là-bas il joue. Awa jouait tant qu'esprit. Et là il joue comme le Saint-Esprit. Mais ça n'a pas qu'à moutou moko. Mais c'est une seule personne. Il faut qu'on te paye Nzambe. Il faut rentrer. A qu'on ait qu'on tourne le film Benaye. Là on est en train de tout. Faut comprendre que c'est une seule personne. Pour comprendre que c'était qu'une. Mais a joué trois rôles. Qui a joué trois. Yemoko kaka. Oui. Ah ouais, comment on dit Samuel? Ici, nous voyons Samuel. Trois fois, ça m'a bien guillé. Trois fois, Dieu l'appelle. À comprendre rien. Il ne comprend rien. À comprendre rien. Il n'a rien compris. Totangi, Esaïe. Esaïe. Chapitre 6. Esaïe, chapitre 6. Verset numéro 10. Isaïe chapitre 6, verset 10. La Bible dit ceci. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point, et ne soit point guéri. La parole du Seigneur. Amen. Totangi Actes des Apôtres. Nous avons lu Actes des Apôtres. Dans verset Nango. Dans verset 28. Actes 26. Non, 28. 28. Dans chapitre verset 20, 27. Verset 27. La Bible dit ceci. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne sois et que je ne lui guérisse. Amen. Hein? Amen. Tomoni des versets que tu mis ancienne alliance. Nous avons vu deux versets. Tu es aussi mis nouvelle alliance. Tomoni va parler de Sokaka, les Kamomoko. Nous avons vu qu'ils ont parlé de la même chose. Bible les autres alisabiso. La Bible nous demande. Zambazo rendre peuple Oyo. Dieu rend ce peuple. Akangi matoi na bango. Il a fermé leurs oreilles. Pour qu'ils ne puissent pas entendre. Akangi misonabango. Pour qu'ils ne puissent pas voir. Là par là, que l'on n'a pas comprendre. Par là, nous voulons. Que Dieu ferme le Azokangamato yabanani. Il ferme les oreilles. Est-ce que miso zambo azokanga? Est-ce que le Dieu que Dieu ferme? Miso physique. C'est le Dieu physique. Est-ce que Mato Izambo Azokanga? Est-ce que le Mato est physique? C'est les oreilles physiques. Non. Nous disons non. Est-ce que Mato est spirituel? Nous voyons que les oreilles sont spirituelles. Est-ce que Miso est spirituel? Les yeux qui sont spirituels. Par là, nous voyons le mouvement de Samuel. Par là, nous voyons le mouvement de Samuel. Trois mouvements de Samuel et Osala. Les trois mouvements que Samuel. Tu as compris les Alandais, peuple Israël. Nous voyons que c'est le peuple d'Israël. Israël. Israël. Oh, il y a
mabele. Israël terrestre. Ezande ye. C'est lui. Oh kola kanga litoyi. Que Dieu a rendu ses yeux. Oh kola kanga miso. Que Dieu a fermé ses yeux. Bakoki ko yoka tie. Ils ne peuvent pas écouter. Oh ezali nzambe. C'est qui est Dieu. Oh ezali bakoki komona tie. Ils ne peuvent pas voir. Oh ezali nzambe. C'est qui est le Dieu. Nzamba rendre bango ba insensé. Dieu les a rendus insensés. Comprendre le langage en sans bêtise. Tango Elise Elie, pardon Samuel. Lorsque Samuel. Aucun des prêts à Elie. Il parle auprès d'Elie. Elie aussi. Tout comprendre. Nous comprenons. La première fois. Elie a saisi sa quitté. Elie n'avait pas saisi. La deuxième fois, Elie pas saisi sa quitté. C'était pareil, il n'avait pas saisi. La troisième fois, Elie a saisi sa quitté. Elie n'avait pas saisi. Mais et après, avec qu'on comprendre. Il a compris. Que non. Déjà langage ensemble. C'est le langage de Dieu. Aïe, c'est Samuel. Il a dit à Samuel. Kende, vas-y, kolala, va dormir. Ce qui va bien, si on t'appelle, ce que qui voit, si on t'appelle, il va que j'en zambé. Sache que c'est Dieu. Le bac en zambé, dit Dieu. Ton serviteur a son yokayo. Ton serviteur t'écoute. Mais bien-aimé, tout en dit Romain, nous allons lire ton livre de Romains. Dans Romains 11, chapitre verset 8. Dans le livre de Romains 11. Dans verset 8. La Bible dit ceci. Ah, excusez-moi, j'ai fait le point. Romains 11, verset 8. Voilà. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit. Juste à ce jour, en fait. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Amen. Hein? Amen. Tout le monde ensemble a pu bâtir ce soir la même pensée au Totangaki. Nous voyons que ici on nous montre la même pensée que nous avons. Que nous avons mené à que c'est Dieu qui a. Il y a un autre qui. Pas un metteur. C'est un metteur en scène. A joué à Kabarol Yemoko. Il joue lui-même tous les rôles. Yemoko Moutan. A Kanga Matoi. Lui-même il a bouché les oreilles. Il y a peuple Oyo. De ce peuple. Parce que nous avons
ça qu'il y a, il y a aussi un peuple. Puisque Dieu savait qu'il y a aussi un peuple. Que peuple on a peine à a besoin d'ailleurs. Puisqu'il y a un peuple dont je suis. Il faut n'allou qu'à peuple ou non. Il faut que j'aille aussi chercher. Le quoi le peuple a tout sangaïté. Puisque ce peuple ne m'a pas. À rendre rien sensé. Dieu les a rendus insensés. Parce qu'il y a un peuple. Parce qu'il sait qu'il y a un autre. Il faut n'allou qu'à peuple mon soussou. Il faut que je puisse aller chercher. Oh, le peuple ouana na kobenga pene nanga. Ce peuple qui va attirer vers moi. Oh, le peuple on a dit qu'à auto sanga. Je sais que ce peuple va m'obéir. C'est par là que nous voyons. Quand Samuel a zoya par Élisée, lorsque Samuel vient auprès d'Élie, il y a troisième fois. Pour la troisième fois, Élie tant qu'azo saisit. Élie lorsqu'il saisit, tant qu'azo tinda, il est que zonga kende kolala. Lorsqu'on lui demande d'aller dormir, la troisième fois où on a Élisée tant qu'azo que saisit azo zongi ça y est. La troisième fois lorsque Élie est en train de saisir pour le faire retourner. Retour où on a Ezalaka, Samuel a zongaka. Le retour dont Samuel est en train de retourner ce mouvement. Ezalaka nous l'église. C'est nous l'église. Ezalaka nous l'église. C'est nous l'église. Là maintenant. Là maintenant. Israël. Israël. Alimoué. Il a disparu. Oui, la zone la troisième fois, voilà. Ou il y a quatrième fois, voilà, trop le bas. Et ça, c'est nous l'église. C'est nous l'église. Pourquoi ça, c'est nous l'église? Pourquoi c'est nous l'église? La personne qui saisit. Oh, la zone qui ça, Samuel a comprendre. Celui qui fait retourner Samuel a compris. Qu'est-ce que ça, la canne? Nzambende mutazo benga. Donc il a compris que c'est Dieu qui l'appelle. Et ça la connaît Jésus et mon connaît Christ. C'est Jésus lui qui le dit sur lui-même. D'autant dans Jean 14. Nous allons lire dans Jean 14. Dans verset numéro 6. Jean 14, dans son verset 6. 6 à 7. Dans son verset 6, le 6 au verset 7. 7. La Bible dit ceci. Jésus lui dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père, et dès maintenant, je le connaissais et vous l'avez vu. La parole du Seigneur. Amen. Mais bien aimé, envoyez soyez du service au bruit. Bien aimé, ici Jésus nous dit. Alors, dit. Moto moko ta kenda ke pa ya papa. Personne ne va auprès du père. Soka le king pa ina ngaite. Si ne passe pas par moi. Donc on kenda pa ya le père. Donc pour aller chez le père. Il faut le kana ne pa ina nga. Il faut passer par moi. Oh que te omona Samuel. Samuel. Toi mouvement azo kende. Les trois mouvements. Oh que muda benga ye sa la ka le père. Oh la personne qui a. Oh que Samuel a ko kende pa le père. Oh Samuel ne veut pas aller vers. Soka yo ki le fils ite. Il n'écoute pas le fils. Il faut yo ka le fils. Pour comprendre que on a ça le père. Oh que toi vous fumez. Oh les trois mouvements. Samuel a yoka papate. Samuel n'a pas écouté le père. Élie. Élie. Ah ça là qui le prophète. Il était le prophète. A toqué comme ma peuple auprès du père. Il pouvait pas emmener ce peuple. C'était Jésus. C'était Jésus. Oh il y a même ma mission auprès du père. Nous emmener auprès du père. Donc comprendre. Vous comprenez. La quatrième personne. La quatrième. Élie a donc saisi. Élie qui saisit. Jésus est ensemble. Jésus, et ça la Jésus. C'est Jésus. Jésus t'a orienté bisous maintenant. Jésus qui vers le Père. Vers le Père. Samuel t'a azo zonga. Samuel azo yoka mumbongo. Tanga azo loba mais voici. Parle-moi. Que ton serviteur écoute. Parle-moi. Et ça la canne nous l'église. C'est nous l'église. Oh, tu comprendre. Mouto ya même bisous auprès du Père. Qui comprend que c'est Jésus. C'est Jésus. Parce que Israël, parce que Israël, avant il n'a pas reçu. Parce qu'il a rejeté le fils. Parce qu'il a rejeté le fils. Il y a un mot qui comprendre. Ce mouvement. Il y a le fils, c'est pour nous qu'il n'est pas un papa. Il faut le canal et pas y a le fils. Il faut passer par le fils. Il y a un zongi na pensée au tosole nan de Kobayama. Voilà pourquoi je vais retourner à la pensée dont j'ai parlé avec le bien-aimé Bayama. Donc comprendre. Nous allons comprendre. Élie. Élie. Oyazo
Kovanda. J'ai dit ainsi. Parlant dans le Père spirituel. Parlant dans ce que nous disons le Père spirituel. Il faut aller auprès du Père spirituel. Il faut que nous soyons auprès du Père spirituel. Parlant dans la révélation. Par la révélation. Tu comprends maintenant. Nous comprenons maintenant. Le véritable Père spirituel est à Christ. Le véritable Père spirituel. Parce que Élie a voyé Mokasan comprendre le langage en Zambété. Parce que Élie lui-même là, il ne comprenait pas le langage de Dieu. Je vais vous dire ceci. Consultez le peuple de Dieu. Et le Konzambe a mis en cœur. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Na mekako analyser en haut. J'ai essayé de l'analyser. Na mekako pousser ma pensée aussi quand la carte y a parole en Zambé. J'ai essayé de pousser mes pensées loin dans la parole de Dieu. Na comprenant une chose. J'ai compris une chose. Onzamba mekako changa cœur. Que Dieu a mis dans mon cœur. Voilà pourquoi je vais le partager avec vous. Mes bien-aimés, Eli Oyo, avant d'aller au prêt ensemble, Eli qui est assis auprès de Dieu, Oya servant Nzambe na kati ya temple, qui servait Dieu dans le temple, Oya bande koyo ka Nzambe, qui écoutait Dieu, O Nzamba bande koyo utilisé, que Dieu utilisait. Mais un moment est arrivé, Eli azaleki koyo ka son Nzambe. Mais un moment il était arrivé que Eli n'écoutait plus Dieu. Balobi Eli tellement mis sous naie comme qui déjà pas affaibli. Eli tellement que ses yeux commençaient à s'affaiblir. Azaï profonde a toujours n'assez attente naie. Il était souvent si. Mais s'attente. Tout mon a Eli tant où Samuel a zoya auprès naie. Nous voyons Eli lorsque Samuel vient auprès de lui. Eli azaï pour comprendre depuis la bâche en s'en mettait. Eli ne comprenait pas non plus le langage de Dieu. Mes bien aimés. Mes bien aimés. Dans la Bible, ce qui verset mon compte de Barozalango, un jour là, mais qu'on partage dans la. Si on a versé le bien aimé de l'oral, un jour, vous pouvez me partager avec moi. Quand on est retourné à Kalibosso, il y a cher Awa. Ce monde tel que nous venons ici, devant la chair. Là, on s'est repenti. Je vais me repentir. Mais bon, on s'en bat à cœur. Pensez que Dieu a mis en moi. Vous allez voir que Dieu, dans tous ses serviteurs qu'il a utilisés, il y a deux volets dont Dieu les a utilisés. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Au moment, Nzambe n'a pas servité, nous sommes allés là. Vous allez voir Dieu dans tous ces serviteurs qu'il a utilisés. Au moment où Nzambe a utilisé puissamment. Vous allez voir que les serviteurs que Dieu a utilisés puissamment. Nzambe, ils en ont deux volets. Il y a deux volets. Premier volet. Nzambe a utilisé ma serviteur nous a utilisé puissamment. Dieu, c'est un homme qu'il a utilisé puissamment dans la Bible. Un miracle, un prodige, tout est au salam. Il y a des miracles et des prodiges. Nzamba salaboy. Dieu a dit ceci. Ce qui est ligné au vivre. Ce qui est ligné au vivre. S'il veut te laisser vivre. Allons-nous la grâce à Tchakatina. Ils vont enlever la grâce qu'il a mis en toi. La grâce que tu as, la puissance que Dieu a mis en toi. Tout à la peine dans la Bible. Regardez dans la Bible. Bah, ton Zamba utilisé puissamment. Les gens que Dieu a utilisés. On va continuer à vivre. Qui ont continué à vivre. Zamba longo la grâce wana. Dieu a enlevé cette grâce. A longo la nguya wana. Il a enlevé cette puissance. Parce qu'à l'ingité koti kamutwana na nguya wana. Parce qu'il ne veut pas laisser cette personne. Parce que de peur batu bakoué bako adorer mutwana. De peur que les gens puissent adorer cette personne. Ou deuxième volet. Ce qui dit bien la Bible. Si nous regardons. Le jour que Dieu a laissé avec cette puissance. Dieu l'a tué avec cette puissance. Avec la puissance que Dieu t'a tué. Afin que tu ne peux pas adorer. Tu ne peux pas te laisser afin que les gens puissent adorer. Donc où Nzambe nanguya abomio. Soit Dieu te tue. Pour battre pas d'oreille, pour que je ne t'adore pas, ou nous avons dit qu'il y a la séance pour continuer à vivre. Soit Dieu te laisse encore continuer à vivre en ce moment. Mais à l'ombolin où il y a un akati, il enlève cette puissance-là. Au tikali kara d'expérience, tu restes dans l'expérience avec Dieu. Il y a mon ami dans l'obaboui. Voilà pourquoi je vais dire ceci.
na sali analyse. Je fais l'analyse. Ya comprendre tous les serviteurs au bazana mokilioyo. Pour comprendre tous les serviteurs qui sont en ce moment. Sont au Congo na biso. Si nous partons même au Congo. Au mona onion so ba bima ba soit disant ba grand. Vous allez penser que sortait qui était des grands. Nzamba utilisa ka puissamment. Que Dieu avait vraiment utilisé puissamment. Mais mona lelo. Mais ce que vous voyez aujourd'hui. Makambo ezo le kakati na bango. Les choses qui se passent en eux. Donc tout na nzambe nino azo utiliser bango toujours na nguya na yi. Nous posons la question, mais qui est ce Dieu qui l'utilise encore? Là je suis sûr et certain. Là je suis sûr. Batouana. Ces gens-là. Nzambe za lomola grâce kati na bango. Dieu a déjà enlevé cette grâce en eux. Nguya va continuer comme ça na moti lelo banda ba banda ba kitakate. La puissance qui continue à utiliser jusqu'au. Et ça la kanguya nzambe te. C'est pas la puissance de Dieu. N'invitez sur vos saisies. Je ne sais pas si vous me saisissez. Et ça, c'est le plus la puissance de Dieu. De débit. De débit. Ton lobby, oui, il faut Nzambe, Penda, utiliser qui est. Nous disons oui, Dieu l'a. Mais le col à Nzambe. Mais puisque Dieu. A permettre à Moutou à continuer pour vivre un an où il y a un an. On ne va pas laisser une personne continuer avec cette puissance. Il y a un temps Nzambe à l'ongoli où il y a. Il y a un temps où Dieu. Mais le col à l'ingas à la gare célèbre. Mais oui, il va rester toujours célèbre. Batouba Monaga, il y a. Les gens doivent toujours le voir. Et à Okota Nanzela, on se sent. Il va rentrer sur un autre chemin. Bino soki boza na molimo ya komona musikate. Vous n'avez pas les yeux pour voir loin. Bo kantaka nzambe vous utiliser. Vous allez croire que c'est toujours Dieu qui est utilisé. Mais tolobi non. Mais nous disons non. Là vraiment nga. Là bon. Bo nzambe tchai nga kere. C'est que Dieu m'avait mis. Tolobi maintenant non. Je dis non. Bato nyo so nzambe utiliser. Les gens que Dieu a vraiment utilisé. Na na preuve moko. J'ai une preuve. Un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Nzambe a utilisé puissamment à qui? Dieu l'a utilisé puissamment à qui? Naïba répété. Je l'ai jamais connu. Mais la question yoga en Angola. Mais je l'ai écouté comme Angola. Nzambe a utilisé puissamment. Dieu l'a utilisé puissamment. Quand on dit puissamment, pendant Nzambe a utilisé. Lorsqu'on dit puissamment, mais mon Dieu l'a utilisé. Mais à un moment. Mais à un moment. Serviteur, monsieur Nzambe. Le serviteur de Dieu. A Europe. Il est venu en Europe. A continué au Samo Salanzambe. Il a continué à servir Dieu. Mais jusqu'à présent, moi j'ai parlé avec lui. Est-ce que tu vois comment Dieu t'utilise? Mais cette puissance, où est-il parti? Il m'a dit que c'était mon frère. Même moi-même, je ne comprends pas. Mais on peut s'en avoir conseil. Là, on s'est donné certains conseils. On les a gardés en Ponanga. Ça, je le garde pour moi. Mais. Mais. Batouti l'élo. Mais les gens, jusqu'aujourd'hui. Bayak en église, Yohana. Ils viennent dans cette église. Na nostalgie, Yamakamonza, Bacha, Elaye. Avec les nostalgies que Dieu avait fait à l'époque. Bango atikala nango. Eux ils ont gardé ça. Ah t'es pasteur n'est-ce pas boyé. Ah non pasteur. Zamba salela ye azamuya. Anguya. Aya bona yeti le loye bango comme si nzamba kozongi sanguya wana. Lui juste aujourd'hui il sait que Dieu va retourner. Maintenant on l'oba penza sincèrement devant vous. Mais je dis sincèrement devant vous. Nzamba atika kozongi sanguya wana te. Dieu va pas retourner. Atikali kaka en expérience. Va rester avec. Bah oyo nyos ba okanza ke nzamba kozongi sanguya wana. Toutes les personnes qui pensent que Dieu va retourner encore cette puissance. Parce qu'ils sont trompés. Ils sont en train de. Parce que Nzamba ozo sa son royal. Parce que Dieu va. Et peur que Batou va comme quoi adorer. Peur que les gens puissent commencer à l'adorer. Tomoni Awa. Nous voyons ici. Yango Tolobi. Voilà quoi nous disons. Eli. Eli. Azana qui t'a gâté avec une expérience. Il avait gardé que l'expérience. Oh, y'a quoi pour Talissa pour comprendre que Samuel. Qui pouvait comprendre que Samuel. Kende, Nzambe de Mouta ou bien Gayo. Vas-y, Dieu t'a fait. Mais dans la lettre, tu m'as dit que Esa Eli. Mais dans la lettre, nous voyons que c'est. Mais dans la révélation, tu as dit Esa Eli. Mais dans la révélation, nous disons que c'est pas Eli. Esa n'est Jésus. C'est Jésus. Oh, ils ont même abusé auprès du Père. C'est lui qui nous emmène. Oh, ils ont dit abusé dans les chemins. C'est lui qui nous montre. Oh, ils ont même abusé auprès à Papa. C'est lui qui nous emmène vers le Père. Totangi. Nous allons lire. Hébreux chapitre 1. Commençons verset 2. Voilà. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification du péché et
s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Bon, je continue? Non, c'est bon. C'est bon. J'ai versé de dans l'obéca. Oui, c'est bon. Donc, je commence le verset 2. Verset 2, c'est bon. Je recommence le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Hein? Amen. Ici, nous voyons que la Bible nous demande. Que dans les derniers temps, Dieu parle par lui. Oh, que tout le monde a mouvement. Oh, nous voyons ce mouvement. Trois mouvements. Le trois mouvements. Et le troisième mouvement. Le troisième. Et ça va dans les derniers temps. C'est le dernier. Oh, à travers le Fils. Dieu nous parle. Il y a un troisième mouvement. Le troisième. Et ça va quand même c'est celui. Et ça va dans Christ. C'est Christ. Oh, à travers son fils. Il y a mon Dieu, je fais sa vision dans la zone le baquet. C'est ça qui me donne dans ce ouais. Elie a compris. Elie comprend. Que maintenant, ils en ont les envoyés. Ils en même temps le bas. C'est Dieu qui parle. Ils en ont les temps de fils. C'est le temps du fils. Oh, il y a Zolo le bel abisso. Qui nous parle. Bisson est aux Zingolou. C'est nous qui avons. La grâce. Oh, toi, il y a un père à travers le fils. Le père à travers le fils. Israël a son Israël n'a pas réussi. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Israël a son boulot. Israël n'a pas réussi. Israël est au Yoka, ma papa. Aujourd'hui, nous écoutons le Père. À travers le Fils. À travers le Fils. Nous avons passé à l'église aux grâces. Dieu nous a fait cette grâce. Mais Israël a trouvé un boulot. Mais Israël n'a pas bénéficié de cette grâce. Parce que Azala qui. Koto sans embêter. Parce qu'Israël ne craignait point Dieu. Il marchait selon sa propre, ses propres voies. Nous avons lu dans Jean. Nous avons lu dans Jean. Tout en guinant Jean 10, verset 7. Nous avons lu dans Jean 10, verset 27. La Bible dit ceci. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Hein? Amen. Ici, nous écoutons. Bible est la Bible nous démontre. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Ok, Israël. Oh, Israël. Mouvement, oh, yo, Samuel a le mouvement que Samuel est en train de faire. Lorsque Dieu l'appelle. Samuel a zareko yokate. Samuel n'écoutait pas. Parce que. Azaleki brebis en coloté. C'était pas un brebis. Wana Samuel. En ce moment, Samuel. Ils ont présenté Israël. Qui représentait Israël. A toi, comme moi, on s'embête. N'écoutez pas la voix. Parce que Dieu le lobby. Parce que Dieu les brebis attendent ma voix. Mes brebis entendent. Et il me suit. Et ok, Israël. Oh, Israël. Mouvement, Samuel, au Samuel. Ce mouvement que j'étais en train de faire. Avec Koyo, comme moi, on s'embête. Vous ne pouvez pas écouter la voix du Seigneur. Mon grand grand colo. La voix du Seigneur. Et puis ça, mec, qui a habillé sur ma brebis. C'est le il y a mon quatrième mouvement dans ma zone. Voilà pourquoi le quatrième mouvement. De l'habitat où Christ a un loba. Nous voyons que lorsque Christ se dit. De l'homme Eli. On enlève Eli. D'autre Christ. On met Christ. Oh, la zone loba. Qui dit. Na Samuel. Qui dit à Samuel. Mais c'est nous l'église. Mais c'est nous l'église. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Soko Yoki Mongongo Wana. Si tu entends cette voix. Loba qui est. L'éternel. Dit l'éternel. Parle. Parle. Ton serviteur, écoute. Lorsqu'il retourne, dans mon zamba zombenga. Lorsque Dieu regarde, Samuel a saisi maintenant. Samuel a saisi. A répondu. Répond. Parce que Yoki Mongongo. Parce que Yoki Mongongo. C'est nous l'Église. C'est nous l'Église. Oh, dans l'oba. Nous disons. Et voici. Me voici. Parle. Parle. Parce que ton serviteur écoute. Serviteur. Et Zalaka ne biso. C'est nous. Oh ton Zalaka. La écoute. À l'écoute. Et pas Yanzambe. Dieu. Dans le bishop. Nous disons. Zamba parle à Katan. Toi d'une manière d'une autre. Mais l'homme à Zalaka, quand tu fêtais. Israël. Israël. Dans mon Zamba l'obaka. À Zalaka, quand tu fêtais. Mais biso Zambé dans la l'obaka. Dans Yoka Kaye. Parce que ton Yoka est mon bagonaye. Mais brebis attend ma voix. Et il me suit. Zambé dans la l'obaka. Balobina songe. Balobina vision. On dit que véritable songe. Véritable vision. Et Zalaka ne parle pas dans la parole de Dieu. Et ça, quand on a commis à Zambé, tant que tu es tanga, ton corps
opportunité. Il y a pas papa de mon grand colo. Mais Israël, Tanga, Adi Kanalete, Azo comprendre, parce que Zambaranda est chassé. Amen. A comprendre, il va pas comprendre. Lorsque tu parles, la Bible c'est la révélation en Zambé. La Bible c'est la révélation du Seigneur. Et ça demande à ses enfants. Car c'est vrai. Papa. Lorsque nous lisons la parole, Zambé. Nous voyons Dieu. Mais tant que nous profond. Nous comprenons que ça c'est le Père. La voix du Père. Tout en qui Marc 9, nous avons lu Marc 9, 7. Marc 9, combien? 7. Marc 9, 7. Marc 7, c'est ça? Marc chapitre 9. Ah oui, verset 7. Ok. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. Amen. Mais bien-aimé. Bien-aimé. Balobi. On dit. Bon, moi, je suis quand à l'icolo. La foi qui crie. Que celui-ci est mon fils. Mais bien-aimé. Mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. Israël. Israël. De la vie, Samuel. Nous disons Samuel. Dans ma Kendaki. Lorsqu'il partit. Ayoka, mon bon côté. Il n'écoutait pas la voix. Parce que Zalaki fils. Parce que c'était le fils. Oh, ton loba, la quatrième. Nous disons le quatrième. Bazoloba. Qui dit. Kende. Vas-y. Cette fois-ci. Mon bon go, Yoka. La voix que tu vas entendre. Loba qui mon colo. Dis. Ton serviteur écoute. Seigneur, ton serviteur écoute. Kakabiso. Notre cas. Fils. Par le fils. Nous écoutons la voix. Ya papa. De papa. Nous obéissons au fils. Parce que c'est le fils qui nous emmène auprès du Père. Sans le fils. Ton nom, papa. Par le papa, par le Père. Ton nom, papa. Nous avons vu le Père. Fils. Par le fils. Si nous vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous avons le Christ en nous. Nous avons le Fils. Nous avons le Fils. On a même ma cabine auprès du Père. Celui qui nous emmène. Nous avons besoin de ça là. Tout ce que nous par le Fils. Nous le faisons par le Fils. Qui est en nous. Mais bien-aimé. Bien-aimé. Je vais nous exhorter le peuple de Dieu. Quelle voix tu écoutes? Oto sakanani. Tu obéis à qui? Oto sakanaba pasteur. Tu obéis au pasteur. Oto sakanaba évêque. Tu obéis aux évêques. Oto sakananani. Tu obéis à qui? Tant que bana na nzambe. Et tant que enfant de Dieu. Oto yoka ko otosa. La personne que tu dois obéir, c'est le fils. C'est le fils. Yoka ka mungwa fils. Écoute que la voix du fils. Zala paysa paya fils. Son pays son près du fils. Linda yoka ka fils. Cherche à écouter le fils. Kaya muta orienté auprès du Père. Si tu n'écoutes pas le fils, aux orientations auprès du Père. Tu n'auras pas une orientation auprès du Père. Kakana zela fils. Que par le fils. Bon zamba salibisokolo. Que Dieu nous a fait grâce. Il est dans un pont. C'est lui qui est le pont. Où ils ont mis ma vie auprès du Père. Qui nous emmène auprès du Père. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Ton ennemi, nous allons le dire.